Il s'est passé plein de trucs. Hier, évidemment, elle a gagné. Enfin, évidemment, non, elle a gagné encore 20 000 euros sur le gorille. C'est pour ça qu'elle est à 167 000 euros. Et on a fait, vous, moi aussi, on a fait une rencontre assez touchante. Oui. Et puis vous aviez envie de revoir Justine, c'est ça? Oui, absolument. Et ben on l'a rappelé, elle est là. Justine, venez avec nous. Justine, infirmière dans un EHPAD, hein, c'est ça? Oui, si c'est j'ai ça, pas ouais. de mémoire. Et puis vous nous avez parlé de ce que vous vouliez faire en gagnant de l'argent. Et à la fin de l'émission, hier, elle m'a dit, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour Justine? Je vous laisse parler. Valérie. Mais en fait, je cherchais à faire un don pour quelque chose qui pourrait me tenir à cœur. Et voilà, tu t'es présentée et ça me tient à cœur de pouvoir t'aider. Voilà. Et l'histoire qu'elle a racontée. Qu'elle a racontée. Elle est incroyable, voilà, cette histoire. Vraiment, oui. Merci beaucoup. Merci avec énormément. Plaisir. Pour la petite Louise. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est adorable, franchement. Ça me fait plaisir, vraiment. Je le fais sans regret. Merci. Merci. Ouais, beaucoup. On a envie de se faire des câlins, ça c'est sûr. Oui. La petite Louise qui est née avec un handicap des deux bras. C'est alors, ça elle a une maladie qui s'appelle arthrogryposte, qui est une maladie génétique, enfin probablement génétique. On n'a pas la cause encore rare, qui provoque des raideurs des articulations et des paralysies. C'est un syndrome. Donc aucun enfant n'est atteint de la même forme de handicap. Donc chez Louise, c'est les bras principalement et les genoux qui sont touchés. Donc vous voulez aménager la maison pour qu'elle puisse, en grandissant, se débrouiller toute seule sans avoir à se servir de ses mains pour ouvrir les volets, fermer les volets, éclairer, éteindre. Installer un système domotique qui permet après l'ouverture des volets, portes, fenêtres. Alors on s'est posé la question d'ailleurs, oui, parce qu'on s'est dit mais ça représente quoi? Parce que déjà moi je ne savais même pas que tout pouvait être automatisé comme ça, et tant mieux, c'est génial. Mais vous avez déjà une idée de ce que ça peut représenter en termes de coût? En termes de coût, le total des aménagements pour la maison, je voudrais pas dire de bêtises, j'avais ça en tête, je crois que c'était dans les 15 000 euros, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, donc ça coûte une fortune. Oui, c'est extrêmement cher. De toute façon, tout ce qui touche le handicap, malheureusement, c'est extrêmement cher. Et vous n'avez pas d'aide extérieure, en fait? Si, on a une part, on a des dossiers à faire, on a une part qui est prise en charge par la MDA, qui s'occupe justement des personnes en situation de handicap. Mais qui comble jamais la totalité du projet, forcément. Donc, mais c'est déjà bien d'avoir des aides. Mais je voudrais te donner 5 000 euros, en fait. Voilà. Merci énormément. Merci. Pas de problème. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va faire un truc. Puisque vous lui donnez 5 000 euros, nous, on va en donner aussi 5 000. Comme ça, on va arrondir ça à 10 000. Comme magnifique. Ça fait une somme rondette. Ça va. Merci. On va faire des bisous à Louise tout de suite. Merci Justine. Merci. Merci, bon retour. Merci.